Ça me fait très mal quand il me cite le nom de ce sang et qu'on parle de lui. Il n'est pas un modèle. Mais il y a la réalité, il y a beaucoup de choses parce que la souffrance qu'on a infligée nos frères et sœurs à l'est de la République démocratique du Congo, ce sang est dedans. Ce sang a été repatrié, repatrié parmi le crime contre l'humanité. Il y a un rapport mapping, ce sang est dedans. Et quand ce sang aujourd'hui a été coupé dans la source de Katumbi, cela, ce n'est pas du nouveau, ce n'est pas le classique. Pour la situation, il y a Est, quand il a décrété l'état de siège. Mais vu que ce état de siège, il a décrété, on ne pouvait pas connaître toutes les vérités de la Est. Les gens disaient que non, non, Mbappé, c'est qui Mboka, Ezaki Mobimba. Sur le plan forme, Mboka, Ezaki Mobimba. Mais sur le fond, le pays était déjà balkanisé. Mit était état de siège, il y a tout le monde effectivité. Il y a balkanisation. C'est aujourd'hui que nous sentons que le pays est déjà balkanisé. Balandia Congolais Télévision, le loto kosolo la makambo pe masolo ekobeta manakati ya République démocratique du Congo ndenge tolobaka ete bozali ebele ya kosala biso confiance, vraiment une multitude de partout vous nous recevez en ce net moment ndenge tolobaka balandi nyonso bozali na ngambo ya communauté congolaise na Canada na États-Unis, un grand merci à vous na ba message boko sala biso na bino nyonso pe bozali na Afrique du Sud na Luanda, un grand merci et pourquoi pas message oyo toti kozwa ya bandeko na biso ya Dubaï. Un grand merci aussi à vous. Nous allons venir aussi passer nos caméras pour que tout soit via les Congolais, dans Dubaï, et que c'est pas ça. Nous allons demander à Bino un grand merci. Donc, nous continuons. Yakosolo, Nabino, Namasolo, Italie, Mboka, République démocratique du Congo. Lilo Oyo, tout allons la fièvre, il y a une élection. Ça nous reste presque 3 semaines pour que Toko Kisabongo, 2 semaines à 3 semaines probablement, pour que Toko Kisabongo le 20 décembre, jour où il y a ma ponami. Mais ma carte, ils allaient toujours, même tout le bagage dans le poteau, la ligne, ils allaient qu'on s'est bougé de l'autre côté. Les loyaux, les lycées Sanga, c'est rallié à Moïse Katumbi. De l'autre côté, la situation sécuritaire, le départ de l'EAC, est-ce vraiment les alliés effectifs ou soit il y aura des dessous des cartes? Quant à cela, tout comme Beta Masolo, tout comme Bongo, moi, je suis un bon communicateur, il y a UDPS parti au pouvoir, il va se présenter, il va se présenter, il va dire et il va parler à cœur ouvert quant à toute cette situation où tout comme on a la carte de la scène politique de la République démocratique du Congo, moi, je suis un bon ténaïeux. Bon, je suis un journaliste, je suis un bon ténaïeux, je suis un bon autrement, quand je suis musique, je suis en live. Voilà, c'est mon mini parce que je suis en train de me faire. Posture politique dans les alignements. On m'appelle Thomas Kapuya Kazadi, je suis cadre de base de l'UDPS. Je gère cellule de la Fédération de Lukunga, Télécom Bureau. De cellule de gère na qu'est-ce que je voulais dire par là? Na section de Ngomba Kinkusa. On m'appelle autrement Yerushalema. C'est comme ça que je suis là devant vous pour parler des fils de Sphinx, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oitobengaka autrement Fatibeton Oyo ya Yerushalema pour sa diplomatie gagnante et vivante et apparente. Et c'est pour cela qu'on parle de lui. Et dans le cadre d'aller le thème, et sa réalité palpable que des vrais Congolais. Basali instruit sont en train de connaître et de reconnaître que c'était lui la personne qu'il fallait à la place qu'il faut. Mon amboka tout kobeta masolo, mon amboka y appelé affectueusement Yerusalema, donc tout kobeta masolo dans la politique congolaise. Les lois Yubitumba, tout challenge, ils ont déjà qu'on s'est formulé entre Moïse Katumbi et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les lois Komona déjà
De l'autre côté, Bandeko ya Moïse Katumbi, donc l'ensemble et l'opposition de l'autre côté, Balobi que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bilanté. Leloyo, Denis Essanga, a se rallié na Moïse et Tshisekedi na Moïse Katumbi. Situation na nyonso. Yo pour ça analyse ni politique mon amboka. Bon, ça me fait très mal quand tu me cites le nom de Essanga et qu'on parle de lui, il n'est pas un modèle na kati ya réalité ya mboka na biso parce que la souffrance qu'on a infligée nos frères et sœurs à l'est de la République démocratique du Congo, c'est Sanga est dedans. C'est Sanga Zamoko repatrié, rapatrié parmi Batu Oyo Basala crime contre l'humanité. Oyo Bazobenga rapport mapping, c'est Sanga est dedans. Et quand c'est Sanga aujourd'hui a quelque Koutana Susuna de Bokatumbi, cela ce n'est pas du nouveau, ce n'est pas. Le quoi c'est qu'après on a bissé parce que le Rwanda a créé RCD Goma, comment piller l'Est, comment balkaniser. La famille de Katumbi était dedans, son grand frère Obazobenga Katebe Katoto était dedans. Katumbi a fait que faire la continuité, il y a Maye Oyo, famille Nabango, Bazaki déjà impliqué dans Masolwana. Et quand on parle de ces gens, de ce groupe Wana, bon, groupe Wana d'abord, c'est un groupe Moko. Il y a des anti-congolais, sont des groupes moko il y a des répondants à des étrangers pour nourrir le Congo, pour faciliter l'intégration, le mixage, le brassage et voire même la balkanisation. C'est ça leur objectif, Nakata Masolwana. Et ça me fait très mal quand nos frères congolais, bah, ils ont conscience, ils ont soutenu le Batouana, et ça me fait très mal. Denis Essanga qui a dit parmi les députés où il y a un parlement, il y a trois cycles où il y a un équipe. Il a été quand même le député Oyo a initié Baïdi Ebélé, il a participé à G13. Comment est-ce que vous pouvez ignorer quand même poids politique Yadeli Sessanga Mwanamboka? Oui, sur le terrain, Sessanga n'a pas les poids politiques, sur le terrain. Mais sur la façon de réflexion, oui, on ne peut pas. Parce qu'on n'est pas de la mauvaise foi, Yadeli Sessanga, par rapport à l'analyse scientifique. Alors, ça, l'analyse n'est bien. Mais sur les actes concrets, il n'est pas modèle. Même dans la Bible, où les âmes Kanda, où les autres dans le monde Mobimba, il y a beaucoup de comment qu'on définit Batiamabe, Nabatamalo, ma partie à Bizalé Nabango. Ce sang-là, il ne s'était pas converti comme un bon patriote congolais. Il était toujours répondant du mal parce que Azaka n'a souche moko ya source et Sikawuta, n'a pas ordre agresseur Afdel. RCD Goma, CNDP, si consort, il est toujours leur répondant ici. Et comme il avait toujours une dette morale dans Batouana, il fallait toujours un zone de sous pas dans Bango, à l'exemple que nous avons bon land, on a gagné dans le connaître, dans la gamme, tu n'as bien tout continué. C'est là où il est allé se réaliser directement dans Ndeko Katumbi, parce que Katumbi est venu pour l'accomplissement de la balkanisation de Mayenyoso, et que il s'est allé pour que Bakata Est. Baba Pierre Est, il a répondu à Paul Kagame. Mon amboka Yerusalem, au coup taxé mon amboka Moïse Katumbi, qui a eu pour conclure la balkanisation. Aussi longtemps Moïse Katumbi a lobby que ce qui a commis la magistrature suprême, 6 mois guerre na Est ici. Bon, c'est mieux dire. D'abord, Katumbi, c'est un affairiste, c'est un minien. J'ai eu l'image sénateur à vie Joseph Kabila Kabang, que je salue en passant. Azaka Naba Ndekunabiso Bakatange, Azou Saron que Katumbi n'est pas mondial de 2001 jusqu'à 2009, na gestion naye, il n'y avait pas une province où les Oaka ba investisseurs et belé n'est grand Katanga. Mais na gestion naye, quand il gérait le grand Katanga, c'est lui d'abord qui a morcelé la Jekamine. La première personne à Kobanda Kozwa, par les morceaux de Jekamine, par les individus, Babo ma Jekamine, d'abord Jekamine Zaka, pour moi économique à Congo. Mais Jekamine, Bakare, Mouniso, Jekamine Zaka, vraiment, et Kabolama Netsi, Lipanango, moi j'ai vu le fléchement de loi là-bas. J'ai vu la réalité, je connais la réalité des grands Katanga. Et ces gens-là se disent aujourd'hui que Bazama sont millionnaires, sont des milliardaires. Mais si les ressources minières, Oyo, du loco en bourg, comme on dit en droit, que nous, on ne peut pas aliéner les biens publics. Mais Bango Bazoa, comme on a battu en Pembe, le Bakabola, comme on a dit gâteau. Mais Douana, il connaît déjà comment détruire les pays. Il y a déjà qu'on détruit la couche, il y a économie. Qu'est-ce qu'il peut faire encore de bon dans ces pays-ci? Il y a toujours pour
pour accomplir mission à devenir toujours millionnaire, milliardaire, lui il connaît rien. Que tous les Congolais. Vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes fait partie de la majorité, les lots ont un pouvoir en place, mais est-ce que les coalitions à Congo et Makassi, les lots sont en forme avec Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Frank Yongo, et cette qui couille aujourd'hui, les lycées Sanga à 5, il reste peut-être Denis Mukwege, parce que bah, les 5 ans, il y a Denis Mukwege à Okota, malgré tout, Martin Fayulu à Kenda qui est de côté. Mais quand nous regardons cette situation, est-ce que coalition on a Congo Makassi ne vous fait pas peur aussi, mon amour? Coalition et à Congo, on est aussi au Congo Makassi. Et quand ça, la nani, quand on a du fait que d'abord, quand on a dit que Frank Diongo. Dans la Frank Diongo, on a une émission Moko, où je n'ai même pas cité Kombo à Chenoana. Quand on lui parlait sur la gestion de Mboka, que qui peut gérer le Congo, parmi Bato de Banda Kolobela, Makambo, où il y a verset biblique, un pays où nous avons le bon bakoui ou qu'on a payé. Frank Diongo parlait de ça. Mais aujourd'hui, Frank Diongo se retrouve Makassi, tout ça. Mais le verset biblique, il avait évoqué une fois na chaîne, Mouboye, pour dire que non, le pays qui est géré par un étranger, ils ont maudit bibliquement. Mais aujourd'hui, il se retrouve dans quel cas? La personne qu'on est en train de parler. Par aujourd'hui, pour ceux qui sont à Makassi. Tout le monde qui est en train de se je ne sais pas ce qui est ici, si ou bien na Kisangani, par rapport à moi, si je suis à Zanaï, mais toi, tu as quelle femme? Moi, si je suis à Zanaï, parmi les gens qui sont à Zanaï, il a répondu non, c'est dès que Bobo vote, il y a un président, il y a statut à première dame. Bon, avec de telles personnes, qui ont déjà tendance, tantôt, et vous lui donnez encore confiance, il y a Kosanganaye. C'est pour encore empirer les choses. Frank Diongo a déjà éternué son image par rapport à Maye Oya Sali, et Zala Matata. Matata n'est pas modèle. Aujourd'hui, dans le principe, la gestion dit que gérer, c'est prévoir. Matata a détruit la vie des Congolais. Quand aujourd'hui on parle de Bazo, le Bapona, Osia Masango, Madesu, l'on se sort. Mais pour dire à Bokangalo, vous voyez, il y a plus de 400 000 dollars. Mais tout le monde qui n'a pas de tracteur à minier, il y a un caterpillar, il y a un moteur Zarate. Il y a un moteur qui a déjà posé un moteur, il y a un moteur qui a déjà posé un moteur. Mais nous avons vu des magies, comme on appelait les macroéconomiques. Il y a un petit université dans Maniema. Bon, avec de telles personnes, il y avait. Comme d'abord la situation, il y a Bokangalo à côté. La Banque mondiale avait financé l'argent pour la consommer la locomotive pour faire fonctionner Onatra. Nous avons dit entretien seulement il y a hôpital cinquantenaire. Oui, ils ont même public TIA par lui-même, soi-disant, on n'est pas encore entré en profondeur. Entretien seulement, ça a pris 115 millions. Mais nous avons dit il y a 1000 écoles. Construction, il y a 1000 écoles. Pas même 30 écoles automona. Mais gérer, c'est prévoir. Aujourd'hui, Bakol, aujourd'hui, on a gestion la fils de Sphinx, son excellence Félix Antoine, c'est que tout le monde toujours le fatigue de toi et Louis Alema. Il pouvait faire la continuité, il y a qu'on moderniser Makamoussous, mais on est toujours dans les cases de départ, on commence à marcher. Mais groupe Moussouana, oui, bah Matata, bah Sesanga, banane, ça sont des affairistes. Bonjour Talakaba. Intérêt n'a pas encore pour escroquer le peuple congolais, mais ils ne sont pas là pour l'intérêt du Congo. Ils sont pas là. On est dans une situation aller sans retour. Je demanderai aux Congolais conscients que cette fois-ci, ou rien, si l'on fait l'erreur, il y a ne pas reconnaître le fils de Sphinx, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou toujours une fatigue de toi, il y a eu pêcher ma majorité à tous les niveaux, donc on est dans le voilà, mais parce que tout le monde a été en République démocratique du Congo, moi, dans mon cas, les loyaux, vous faites partie de la majorité. Bilan, il y a un peu de Félix Azana, mon cas, République démocratique du Congo. Bilan, Eza et Bélé, ceux qui n'ont pas dit qu'autant, ils ont moko, ça peut prendre même des heures du temps. Bon. En gros, d'abord, il y a gratuité et enseignement au Yoye Ache. Abimisi, 6 000 à 7 000 bana yaba congolais au bazaka déjà dépourvu, bazaka déjà abandonné à leur propre sort,
bana lelo bayebi kotanga 1 2 jusqu'à 10 bayebi ko koma kombo na bango et bayebi koloba muloko oya lo poto et c'est déjà un développement à la base parce que Congo exacta parmi les pays bandako kono et bien pays yaba illettré mais ce qu'il a fait il a démontré qu'il est fils du pays a bandi d'abord à l'unique bana yaba congolais base elle évolue na ndenge technologie ils ont évolué du jour au jour ndenge science ils ont évolué que ces enfants là aussi abandonnent leur propre sort yemo kwa vie cherche na bango à faire au évoluer bango c'est déjà une grande chose que personne ne s'attendait que ça allait réussir parce que quand il a commencé avec Makambo sans ya gratuité beaucoup de gens c'est là que c'est venu pour dire non à quelqu'un en goto à tika nano qui se prépare d'abord même na manda mo sunda sel mais comme il était convaincu que oya bandi a cosa la mort aussi le sango et ça portait les fruits. Mais personne ne peut pas ignorer ça. Quand on parle aujourd'hui... La gratuité de la maternité aujourd'hui, est-ce qu'elle ne s'est pas aussi risquée? Non. D'abord, gratuité de maternité, ils ont déjà dans trois provinces. Ils ont la province, il y a Bakongo, ils ont déjà la province, la Grabandondo, la province de Kinshasa. C'est déjà un début moko, il y a événement où il s'est ramassé dans la RDC, même en Afrique, on a dit qu'il y a beaucoup de choses. Mais quand ça commence déjà à se faire... appliquer ici, ce n'est pas seulement maternité, nous tendons aussi vers gratuité, il y a soins médicaux généralisés gratuits. Après, Oyo, le conseil sera gratuitement universel, il y a soins de santé. Ce sont des choses où ils ont les grands toujours en beaucoup développé, mais ici chez nous, et comme le conseil, on connaît quand même beaucoup développé. C'est pour dire que quand on parle de ça, je n'ai pas encore te parlé une autre chose, je ne sais pas si on va parler ça ou non. La situation, il y a Est, quand il a décrété l'état de siège. Donc, de ce que l'état de siège, on a décrété, on ne veut pas connaître toutes les vérités de la Est. Les gens disaient que non, Bapé, c'est qui est Mboka, Ezaki Mobimba. Sur le plan forme, Mboka, Ezaki Mobimba. Mais sur le fond, le pays était déjà balkanisé. Mit était état de siège, tout le monde a effectivité. Il y a balkanisation. C'est aujourd'hui que nous sentons que le pays était déjà balkanisé. Et ça même, parole, en 2018-2019, investiture, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Joseph Kabila, l'ancien président, Pesaka et Constitution, a dit qu'il y a Pesiomboka, Moubimana, 145 territoires, les loyaux, ma territoire, mon sous. Oui, justement, quand je dis que justement, je reviens toujours aussi, le dire de la Sphinx, c'est un Tshisekedi dans Moulumba. C'est là où je dis que si le plan forme, mais encore, le matato aux autant, matato aux autant, il y a 2013, personne n'ingis na 23, basé les quatre provinces, il y a Est, Nord, Kivu, Sud, Kivu, Maniema, avec le moment où on a un académie. Quatre territoires, les Zaka déjà cédé, niveau forme, niveau fond, sécurité, gestion, coaching, même établir même des pouvoirs traditionnels, tout était déjà cédé. Mais par apparence, vous voyez que nous sommes en Mboka. Mais quand on a mis la main sur. La personne Simon Gatutu qui était roi à Massis et ce qu'on sort, c'est là où on a vu que non, effectivement, on n'avait pas les pays. Quand on a mis, on a décrété état de siège, c'est là où on a vu que non, on avait plusieurs répondants. Il y a un axe d'imal, on a un complice, mais tout, on était moins aveuglé, on était un peu limité, il y a un maïzo de Kanana, na fond, il y a un bon soit na est. C'est aujourd'hui que nous savons que non, ni était l'état de siège. On ne veut pas connaître que Mangatuch avait un contrat, il a co-exploité, si c'est 30 ans, bien 40 ans, il travaille pour le compte des Occidentaux, pour le compte de Paul Kagame, et là-bas répondait à Bango, ou soi-disant, candidat président M. Bazawa. Et plusieurs choses, on ne pouvait pas connaître. Aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Lobo, qui était, il va se sentir chef de l'État, ce qui est Kinya et Zongi dans l'Est, la République démocratique du Congo. Nous sommes à 3 semaines. Côté Mandanaï et Kouka, vraiment aussi là, c'est fini, fini. Mais aujourd'hui, nous avons le départ, il y a EAC, Force Régionale, la EAC. Est-ce qu'ils ont des sous des cartes? Est-ce qu'il y a vraiment départ ou soit il y a des sous des cartes? Bon, avant que je te parle sur le départ de EAC, je reviens toujours sur le dire à Fils de Sphinx, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toujours en Fatih Béton, où il y a Richard Le Maure, au moins ceux qui n'ont à se sentir à l'aise, il faut n'a pacifier Est. Voilà. La guerre de l'Est. On est déjà dans les 3 décennies. Et dans la guerre de l'Est, nous avons plusieurs répondants dans le service Nyonso qui travaillent pour le compte des étrangers. Mixage, brassage, intégration, il y a des rebelles, intégration, il y a des mercenaires, il y a des terroristes, il y a des services publics. Ça fragilise d'abord l'Est. Mais, guerre, ils ont ouvert et fermé.
moyen pour gagner une guerre où il y a l'histoire, il y a quitté sans que na tolika na réforme où comme ça na musicolo pour former basoda ya sika na combattre effectif on avait un pas effectif ce qui m'a dit que ndongo oyo bandaka ko bima pour foutre basoda na est ba basoda na musuya far bese na est nous sous bandaka foutre même basoda ya ba mboko oyo bazo agresser biso de fois on demande mon compte demande là oui mais je te dis qu'il y avait plusieurs larges complicités dans tout ce qui s'est passé dans ce pays. C'est maintenant que un congolais commence à sentir que non, on n'avait pas un pays, on doit avoir un pays, on n'avait pas un État, et l'État commence maintenant à fonctionner aujourd'hui, et il y avait plusieurs choses qui nous dépassaient comme ça, sans les savoir. Et départ, il y a ces effectifs. Départ, est assez exactement effectif du fait que le 24, oh, il y a novembre, oh, sur la diplomatie, oh, toujours apparente, parce que les gens disaient beaucoup de choses, que non, non, il y a ça au Kembeté, il y a des accords, les contrats sont là, les accords sont là, au Kembeté, tout ça. Mais et assez à y qui sur invitation il y a gouvernement congolais par rapport à nous qui nous qui na bord au yabiso y a assez on a tous ces consorts comme des membres mais nous n'avons pas répondu à qui mission à Bangote basak très faible et ils étaient très inactifs. C'est comme ça que la décision est prise par rapport à yabiso n'engue tu invites qui Bangote par entremise il y a gouvernement. C'est le même gouvernement qui nous dit bon on ne vous donne plus encore le mandat, vous devez partir. C'est depuis le 24 que bah contagieux à Kenya bandak déjà qu'on s'apprêtait Kenya hier nous sommes sur Kenya déjà depuis le 23 bandak déjà qu'on Kenya hier j'ai une information même des images il y a des parts là-bas il y a contagieux il y a Kenya et c'était ce n'est qu'un début de commencement il y a vérité c'est parce que nous sommes sur Kenya pourquoi tu veux t'accaler assez grosse nouvelle assez le bas que si un pays membre est assez attaqué par un pays qui n'est pas membre est assez. Le pays est membre de l'AES, il connaît ça, le pays est attaqué le pays. Comme on a des conflits avec le terroriste Paul Kagame qui agresse le Congo matin, midi, soir, et plusieurs hommes politiques disaient non, toi, tu as la guerre avec le Rwanda, toi, tu as la guerre avec Kagame. Et Bazaka vraiment n'a vision de l'aigle où il a fatigué toi à Yerushalayim. Il fallait d'abord que ça la infiltration dans la carte AES, qu'on voit comment AES fonctionne, comme on est membre de l'AES. Et on a gagné un plus par rapport à la réalité de Banda Kolekakuna. Et maintenant, aujourd'hui, ils peuvent partir. Toko, je sois Sadek. Comme il y a de nos frères Wazalendo, ma patriote, Bazama Kassi, secondé par Farbese pour mettre Aba Banya Alakato, Baza soutenu par la communauté internationale et avec grande puissance et des multinationales. Les choses vont mieux partir. Mais la guerre de l'Est, on est Banda trois décennies. Ça ne peut pas se terminer par un bâton magique, pas comme ça, parce que nous avons plusieurs officiers généraux et supérieurs, dans Katia Farbese, dans la police, dans la cellule de renseignement. Et avec cette infiltration des agents de douane, ça fragilise beaucoup l'évolution de Makambo Est, mais on est dans le bon. Voilà, on est dans le bon. Il y a Toko Chité Nabiso Awa déjà, parce que Moïse Katumbi a accusé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a appelé président à ma promesse, ou Ezali Bongo. Irréalisable. Avec ça, le système, il y a VAR. Alors, là, que sa population. VAR. Situation, on a. Tant que l'on a, on a, parce que les loyaux, tout le monde est ma ponami. Est-ce réellement ce que Félix Antoine a dit à la population, il a réalisé? Il a réalisé beaucoup de choses. Je reviens encore pour te dire que Katumbi a dirigé Grand Katanga. Les Grand Katanga qui étaient les poumons de ce pays-ci. Mais aujourd'hui, Katumbi dit que Azor Makamoussou, il y a fanatisme, on voit ce qu'il y a comme président, il y a cause de la poste, il y a cause de salaire, parce qu'il y a un bon. Mais bon, on va jouer à moi. J'ai vu une autre image, il y a Pasteur Ngoué Moulunda, a dénoncé que non, non, c'est le sénateur Joseph Kabila, ben, on va bon, promouvoir l'entrepreneur, la SICA, tout ça, si qu'on sort, Katumbi, il y a un carré minier, il y a polygone, il y a Jekamine. Après, c'est combien? 7 millions de dollars. Et deux semaines après, à Tétia, on a 96 millions. Et écoutez d'abord comment le pays a été déjà morcelé en pièces par des individus. Et tout ça, les sous ciment, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, Babanda composait la trésor public avec des cartes Visa, non nécessairement que depuis le monde des mondes. Vous puisez la trésor public sans passer même par le ministère, sans passer même par. Le premier ministre, il y a dans chaque département, il y a un ministère, il y a toujours structure, il y a
fonctionnement, il y a ministère wana. Mais quand toi tu es ministre, soit tu l'as une mission mon quelconque, il y a la caisse. Moko caisse moko noir au bacha, soit caisse moko prévu pour que même le à n'importe quelle circonstance pour faire mission moko quelconque. Mais il fallait être au moins branché dans cette caisse-là, mais bah, on va branché dans le trésor public. Mais avec de telles choses. Aujourd'hui, bah, toi, le bazar est un donateur de leçons. J'ai vu encore une autre image, moi, j'avais voulu gérer Katanga comme je gérais mon entreprise, comme je gérais ma boutique, comme je gérais mon équipe. Comment un individu peut faire ce trésor public en bon? Ça ne se fait pas. c'est le scotterie pour les simples. Voilà, tu as dit que le message n'est pas lancé dans la population congolaise dans l'ensemble, parce qu'on a vu aussi Auguste Kabouya lancer officiellement campagne à UDPS, campagne pour l'élection. Le message n'est pas lancé dans la population congolaise. Oui, moi qui te parle, Naza, candidat député provincial à Lalaba, Colosse Vie. Alors là-bas, je te dis que non, nous avons une dame de fer, Marie-Thérèse Fumasuka Saïni, qui a démontré quand même que la période où il y a là, Zaka, très fort, où Zaka géré par Bakatoumi, par Bamouyej, mais les choses ne fonctionnaient pas. Mais aujourd'hui, quand tu arrives à Lualaba, tu vas trouver Lualaba est devenue une ville moderne, une ville à visiter. C'est par rapport à la gestion et à son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, Lualaba, c'est une très belle ville, et une ville par laquelle nous devons au moins tenir que le développement Mboka, parmi les provinces où ils ont développé, Lualaba et Zanakati. Et le seul message qu'on a coupé sur le Congolais, c'est que nous avons qu'une seule personne, un seul candidat, qui est fils de Sphinx. On connaît son père, on connaît sa mère, il ne trahirait jamais ce pays-ci par rapport à ma candidat Moussouso, Bazoya, Takafunya, tous ceux qu'on sort. Ils viennent seulement pour leurs intérêts égoïstes et battre comme Congolais, battre comme Mboka pour le pouvoir. C'est là où je reviens encore sur. Réflexion, il y a Moïse Laurent Désiré Kabila. Quand il avait accepté pour attirer au pouvoir, mais en étant patriote, il a vu que non, les accords qu'il avait signés avec l'Occident, les Akamabe, il est revenu pour dire que non, j'étais dupé par le conglomérat des aventuriers, je reviens sur les accords au Arsignac à l'Emera, tout ça. Mais on ne peut pas encore accepter de revenir dans ma solution à ma candidat Moko Bazoya pour l'intérêt des Occidentaux, mais tu vas attendre Zolobouana. Katumbi, il y a mafia, il y a M23, il y a circuit, il y a mafia, pas tant on dit, c'est comme mafia, son grand frère. Et parmi, bah, coauteur, bah, oh, bah, fabricant M23, LCD, comme ce qu'on sort. Et il est dans ce circuit-là. On ne voit pas pourquoi on ne peut pas soutenir fils de terroir, fils du pays, pour l'émergence, il y a RDC. Et tout ça, la continuité. Mais vous avancez que reculé, c'est là où nous tendons. Merci beaucoup, mon ambo Kanabanzi, c'était comme une émission à Souka et monsieur Sili, mais non, on va partir dans l'ingénieur Mini parce que monsieur Sili n'a pas déjà. Monsieur Sili, mon ambo et à mon soumis Songi. Mbonga, ma communicateur, ma idée de mon frère, c'est un dossier que je n'aime pas tellement parler.